Duel de haut de tableau entre le Paris FC et le Havre. Les deux formations sont séparées d'un petit point. Les hommes de René Girard avaient débuté le championnat par 3 victoires consécutives et n'ont pris qu'un point sur les deux rencontres suivantes. Le hack de Paul Le Guen sort d'un succès à l'extérieur contre Nancy à Marcel Picot et aimerait bien récidiver à Charletti. On disait un point sur les deux derniers matchs pour le Paris FC avec une défaite à domicile face à Nancy et un match nul 2 buts partout contre le leader Niort. Mais c'est un nul assez encourageant puisque les Parisiens étaient menés 2 à 0 avant de revenir à 2 partout. Ce sont les Havrais qui se procurent la première occasion avec cette frappe de Jamal Thiari qui va passer au-dessus. La réaction des hommes de René Girard avec Pitroipa à l'initiative qui va trouver Florent Martin, auteur de 3 buts. Florent Martin, eh bien, son centre va passer au cœur de la défense havraise et avec un petit peu de réussite, à la 33e minute, Ali Abdi, le défenseur tunisien, en profite pour ouvrir le score et marquer ainsi son tout premier but en Ligue 2 BKT. L'ancien défenseur du club africain est opportuniste. Sa frappe est contrée mais s'en va mourir au fond des filets de Mathieu Gorgelin. Ça fait donc 1-0 pour la bande à René Girard. La réaction derrière des Havrais sur coup de pied arrêté. On va rester là 1-0 à la pause à la suite de ce coup de sifflet de Monsieur Tual. Le Paris FC mène 1-0. Le Havre a une possession légèrement supérieure mais n'arrive pas à se mettre dans les meilleures conditions pour frapper et mettre à contribution Vincent de Marconnet. Le deuxième acte désormais avec cette frappe d'Ali Abdi qui va être prolongée dans le but de Gorgelin par Julien Lopez. Le deuxième but de la saison pour Lopez et à la 56e. C'est le break réalisé par le Paris FC. Derrière, on va essayer d'être le plus solide possible pour les défenseurs parisiens. Mais il y a un dernier rempart quasiment infranchissable. C'est Vincent Demarconnet qui sort une parade énorme devant Bentil qui venait de faire son entrée en jeu. Bonnet, Mahmoud et Bentil. 3 entrants du côté de Paul Le Guen. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à marquer les Havrais. Au contraire de cela, ils vont encaisser un 3e but à la 77e minute. Le doublé pour Julien Lopez. 3-0. 3e réalisation pour Julien Lopez. La passe décisive est signée Morgan Guilavogui. Et le PFC est bien parti pour enchaîner une 4e victoire en 6 matchs. On va en rester là avec ce probant succès 3-0. Le Paris FC prend la tête de Ligue 2 BKT et relègue un de ses concurrents à la 11e place. 4 points derrière. Après leur victoire à Nancy, les Havrais n'ont pas su enchaîner et subissent leur 3e revers en 6 matchs.